Bonjour à tous et à toutes, je suis Snoopy47 et je vais vous présenter le siège économique, donc je suis présidente. Le siège économique est une association qui regroupe toutes les entreprises, petites ou grandes, associations, entreprises, commerces. Le but est de s'entraider, d'aider les nouveaux commerçants comme les plus anciens. En cas de conflit au niveau commerce, de gérer les conflits. On a des réunions qui se passent à peu près tous les mois pour parler de l'économie du serveur et de potentielles lois et d'améliorations qu'on peut apporter. On est à peu près 17 entreprises pour le moment. Donc on continue à recenser le maximum de personnes et de nouveaux commerçants. Il y a eu pour l'instant deux réunions dans lesquelles on a parlé pas mal de l'économie des villes. Donc en fonction des provinces et des villes, d'essayer d'aider les maires et les gouverneurs à améliorer au maximum l'économie de leur ville au niveau commerce. D'accueillir les commerçants, leurs tarifs, leur emplacement dans la ville, etc. On a aussi parlé d'une loi qui va être mise en place, qui est de chaque entreprise devra se recenser et avoir un topic forum officiel sur l'activité de son entreprise, ainsi qu'un topic wiki, mais c'est conseillé mais pas obligatoire. On a mis en place la minute économique, voilà, et la minute économique aussi dans la gazette, afin que maximum de personnes soient au courant des changements. Le plus important changement qui va arriver, c'est la liste des prix minimum. Donc le but est que la liste soit le plus clair, le plus simple et le plus abordable au maximum de joueurs. Pour éviter que le diamant se retrouve à 5 PO, pour éviter une chute de l'économie. Tous les thèmes ont déjà été abordés. Donc la liste est en train d'être actuellement faite, aidée de la patatoliste qui est une liste de prix indicatifs et de listes qui ont déjà pu être faites ainsi que avec les prix des commerces actuels. Elle est vue dans le conseil restreint, donc je vais vous expliquer, et elle sera d'abord vue avec toutes les personnes du siège économique avant d'être mise en place, que tout le monde soit d'accord des prix. Ça, vous serez au courant via la gazette et via forum avant qu'elle soit instaurée. Il y a le conseil restreint. Donc, conseil restreint, c'est la présidente, donc moi, quelqu'un qui nous représente auprès du staff et qui représente les associations, donc Riven, les deux plus gros commerçants du serveur, donc Xbooby et Retard, ainsi qu'un représentant de petits commerçants, petites entreprises qui est Tristan. Le conseil restreint sert. Toutes les décisions sont prises pour le siège économique, sont prises dans le siège économique en général, mais le conseil restreint sert notamment en cas de jugement, éviter d'avoir 17 personnes qui jugent une personne, donc un petit comité, et pour la liste des prix en cas de changement, style le prix qui varie souvent, par exemple du Beacon ou des têtes de Wither, ce sont des prix qui varient selon le temps, donc ça sera le conseil restreint qui décidera. De changer ou non un prix et de en cas de, ouais, voilà, principalement en cas de jugement ou de décision importante de gros conflits, ça sera le conseil restreint qui tranchera. Je pense que c'est tout. Donc le plus gros changement, ça sera vraiment la liste des prix, donc qui arrivera bientôt, annoncée un minimum à l'avance. Voilà, merci beaucoup et au revoir.